Le destin du Burkina Faso est donc entre les mains du capitaine Idrissa Traoré. Le nouvel homme fort s'est exprimé sur l'antenne de RFI dans un entretien exclusif. Il a affirmé n'être là que pour expédier les affaires courantes en attendant que des assises nationales désignent le président de la transition. Alors êtes-vous surpris par ce deuxième coup d'État en 8 mois? Comment avez-vous vécu les événements de ces 3 derniers jours? On a envie de vous entendre, vous qui êtes au Burkina Faso. 33 9 693 693 70 et tous ceux qui nous contactent de la sous-région ou d'Afrique centrale, ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons également la parole car évidemment votre regard sur ce deuxième putsch depuis le début de l'année nous intéresse. On commence avec vous Amadou, bonjour. Bonjour. Amadou, vous nous avez envoyé un WhatsApp de Koudougou. Vous disiez ce nouveau coup de force vient remettre en cause les acquis démocratiques. Tout à fait, Juan, parce que vous savez tous que le peuple burkinabé a mené un combat depuis 2014. Ce push manqué. Et le coup d'État reste toujours un rébellion démocratique à tous les niveaux. Oui. Amadou, votre voix se robotise. Êtes-vous à l'extérieur? Parce que sinon, on ne pourra pas continuer bien longtemps. Je suis bien à l'extérieur. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors on fait une deuxième tentative, recul démocratique, mais en même temps, quand vous entendez les critiques ici et là dénonçant l'incapacité d'Amiba à lutter contre l'insécurité, est-ce qu'il est salutaire malgré tout ce coup d'État? Oui, le coup d'État, on peut dire que c'est malgré la population, mais on ne peut pas dire que c'est un coup d'État qui est soutenu. Il n'est pas soutenu, dites-vous. À Koudougou, il n'y a pas eu de scène de liesse ou de manifestation pour soutenir la junte. Oui. Amadou, je suis désolé. Malheureusement, on a tout fait et on fait le maximum, et évidemment, pour ne pas entendre que des auditeurs de Ouagadougou. Mais voilà, dès qu'on quitte Ouaga, les réseaux se dégradent très, très rapidement. Bonjour, Eric. Bonjour, Jean. Damiba a failli. Ça veut dire que, pour vous, il fallait un coup d'État? Non, pas forcément. J'ai toujours lutté contre les coups d'État. Et depuis, sur vos antennes, au temps du régime Mourak, j'ai toujours dénoncé les coups d'État. Et Damiba a pris son pouvoir par un coup d'État, ça n'a pas changé quelque chose. Aujourd'hui, le jeune capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir par le coup d'État. Je ne suis pas sûr que ça va changer quelque chose. Quand vous regardez l'articulation de notre armée, il y a un réel souci. Vous voyez même déjà qu'il n'y a pas une cohésion au sein de l'armée. Et aujourd'hui, l'armée n'est pas forcément une panacée pour le développement de notre pays. L'armée n'est pas une panacée pour nous sortir de là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est vrai que les gens accusent la classe politique d'avoir échoué, mais en réalité, l'armée a plus échoué dans notre pays que la classe politique. Ça fait depuis les indépendances, nous sommes à pratiquement 60 années et l'armée a géré le pays pendant 50 ans. Et rien n'a changé. Donc aujourd'hui, les MPSR 2 remplacent les MPSR 1, c'est le même système. Si vous regardez, Damiba a été un bouc émissaire qui a été sacrifié, mais le système reste en place. Moi, je ne suis pas sûr que quelque chose va changer. Bah, et on attend de voir. Eric, ce qui peut changer, et sur ce point, Ibrahim Traoré a été clair, c'est la volonté de se tourner vers d'autres partenaires. Bon, la volonté de se tourner vers d'autres partenaires, ça peut être bien, mais on n'a pas besoin de partenaires sur le terrain forcément peut-être pour faire le combat. Ce sont les jeunes seulement qui vont faire le combat. Il faut compter sur nous-mêmes d'abord. Ça a toujours été ce que nous avons dit, et ça a été ce que l'armée même elle-même dit. Il faut compter sur nos propres forces. Oui. Donc le partenaire vous, n'est que... Vous dites qu'il faut compter sur nos propres forces. En même temps, certains, et on l'a vu durant les manifestations de soutien à la junte, hier et samedi soir, des drapeaux russes flottaient. Oui, parce que il y a un réel souci. Nous avons un partenaire depuis l'époque coloniale jusqu'à présent qui est la France et qui n'a jamais aidé nos pays. La France est présente sur nos territoires à travers Barkhane, mais le pays ne fait que s'enfoncer davantage dans la crise sécuritaire. Donc, ça veut dire que la France qui est là, n'aide pas nos pays. Elle est là peut-être pour ses propres intérêts. C'est pourquoi il faut comprendre la population qui est exaspérée et qui demande à ce que la France peut-être parte. Ça, c'est une réalité, c'est un sentiment qui est vécu, il faut être sur le terrain pour le savoir. Donc nous estimons que la France n'apporte pas quelque chose pour nos États. Elle est là peut-être pour, je ne sais pas pourquoi, mais elle est là peut-être pour ses propres intérêts. Et donc la population, à quelque part, on peut les comprendre que les gens réclament peut-être un autre partenaire. Mais un partenaire extérieur reste un partenaire extérieur, il viendra aussi pour ses propres intérêts. Donc aujourd'hui, la question qui est là, c'est comment organiser notre propre armée pour qu'elle soit cohérente, pour qu'elle soit vraiment une armée républicaine et qu'elle aille vraiment sous le front combattre ces gens-là. Ces gens qui sont là, c'est des petits calages qu'ils ont souvent, qui viennent attaquer des positions et les gens fuient. Donc la réalité qui est là,
Les gens ne combattent pas sur le front. Les gens sont là. Notre armée est là, c'est beaucoup plus. Les affairistes s'enrichissent, c'est devenu des milliardaires en rien d'État. C'est ça qui est la réalité qu'il faut dénoncer. Ouais. Moi, je ne pense pas que ce soit un coup d'État qui puisse régler nos problèmes aujourd'hui en Afrique. Éric, vraiment, c'est ma position. Ben, c'est votre position et vous l'avez exprimée sur RFI. Merci de nous avoir appelés. Merci surtout de votre confiance. Je vous le disais, on reçoit des réactions, évidemment, d'un peu partout, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Il y a par exemple Sow, qui est à Kankan, deuxième ville de Guinée. Le Mali a fait un coup d'État dans le coup d'État. Le Burkina aussi vient de faire un second coup d'État. Mais quand allons-nous comprendre que les coups d'État à répétition ne sont pas la solution ? Ousmane à Conakry, ces nouveaux putschistes reprochent à Damiba, la même chose que ce que ce dernier reprochait à Roque. L'armée doit être au front pour se battre et pas au palais. Et puis une autre réaction de Bangui, en Centrafrique, Alex, qui nous dit à un moment donné, les militaires doivent comprendre que leur place se trouve sur le terrain pour combattre les terroristes et assurer la défense du territoire. Nous assistons aujourd'hui à une militarisation du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Bonjour Zakaria. Bonjour. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, très inquiet par les événements de ces derniers jours au Burkina Faso. Effectivement, très inquiet d'abord pour mon pays, la Côte d'Ivoire, et dénoncer ce qui se passe dans la sous-région, le coup d'État à répétition. Pourquoi très inquiet pour votre pays, la Côte d'Ivoire ? Ah mais Juan, il y a un adage africain qui dit que lorsque la case du voisin brûle, ayez peur pour votre case. La Côte d'Ivoire fait frontière avec le Mali, la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Burkina. Avec ce qu'on voit dans ces différents pays voisins, il y a de quoi avoir peur pour son pays. Et donc, aujourd'hui, Zakaria, qu'avez-vous envie de dire à ceux qui nous écoutent au Burkina Faso ? Pour mes frères du Burkina, moi je dirais que le Burkina est en train de commettre une erreur très grave. Les coups d'État à répétition ne peuvent pas être la solution à ce qui se passe au niveau du Burkina. Damiba, son coup d'État, d'aucuns diront que c'était prévisible, puisque Damiba n'a pas adopté le slogan aujourd'hui qui permet aux putschistes de s'enraciner dans le cœur des populations, à savoir le slogan anti-français. Ce qui est une erreur. J'écoutais tout à l'heure un intervenant à votre niveau qui disait que la France n'avait rien fait. Mais que les gens se remémorent. Blaise Compaoré a dirigé le Burkina pendant 27 ans sans qu'on ait affaire à ces histoires de terrorisme en partenariat toujours avec la France. Aujourd'hui, les gens parlent d'un nouvel partenaire, un nouveau partenaire qui n'est autre que la Russie. Mais ma foi, Ron, la Russie, à travers Wagner, se retrouve au Mali. Mais 70% du territoire malien est hors contrôle. Qu'est-ce que la Russie peut apporter au Burkina ? La solution, ce ne sont pas les coups d'État. La solution, ce n'est pas tendre la main vers un nouveau partenaire comme les gens le réclament. Mais la solution, c'est plutôt d'organiser cette armée-là avec les forces armées de l'Afrique de l'Ouest à travers des institutions comme la CEDEAO, pour essayer de combattre ce fléau qu'est le terrorisme. Oui, alors justement, il y a Hamidou à Ouagadougou qui nous dit les autorités peuvent essayer de collaborer avec d'autres partenaires. Cela serait salutaire parce qu'actuellement, il y a un manque de matériel militaire pour lutter efficacement contre les terroristes. Yves, s'interroge. Que cherche l'armée dans les salons feutrés de la présidence ? L'armée doit rester au front pour combattre les terroristes. Vous parliez du Mali, Zakaria. Il y a justement Amadou nous a envoyé je ne sais plus si c'est un WhatsApp ou un Facebook, il est à Bamako. Bonjour Amadou. Oui, bonjour Juan. Comment avez-vous vécu ces événements ? Mais nous ne sommes pas, je ne suis pas surpris parce que Damiba a refusé d'écouter les cris des terroristes. Vous savez, en Afrique, on nous dit la démocratie, mais chez nous, on fait tout le contraire parce qu'on n'écoute pas nos peuples. Vous, en Europe, en Occident, on écoute les peuples. On a vu la crise des Gilets jaunes en France. Le pouvoir a cédé. Le peuple, c'est le peuple qui est sorti pour chasser Blaise. C'est le peuple qui a mis Roque. Et le peuple a marché pour dire à Roque, on n'est pas d'accord avec votre politique. Damiba, il est venu, il a continué la même politique que Roque. Donc, c'est normal qu'il y ait une rectification de la trajectoire de la transition au Burkina. Et cette rectification, Amadou, cette rectification, elle passe par un changement de partenaire dans la lutte contre le terrorisme ? Mais bien sûr qu'il faut, après 10 ans, il faut évaluer le chemin parcouru par Barkhane. Mais malheureusement, les résultats ne plaident pas en faveur de Barkhane. Donc il faut diversifier le partenariat, pas forcément à la Russie, mais il faut changer de stratégie.
Quand ça ne marche pas, il faut changer. Et au regard, Amadou, au regard de la situation dans votre pays, le Mali, est-ce que vous diriez que le changement de partenaire, en l'occurrence ce rapprochement entre Bamako et Moscou, est-ce qu'il porte ses fruits ? Il est en train de porter. Je pense que les gens sont pressés quand même. Et on a le partenariat avec la Russie a commencé qu'en janvier. On peut pas. C'est que Barkhane n'a pas réussi en 9 ans. C'est pas ce qu'on va réussir en 9 mois. Je suis désolé. Les gens ils font des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Barkhane est là il y a 9 mois, mais la situation s'est aussi détériorée sous Barkhane. Mais aujourd'hui au moins nous avons la souveraineté de notre ciel. Personne ne peut faire quelque chose dans le ciel malien sans qu'on ne le voit. Et on l'a démontré, on a dit à l'ONU, on a porté plainte contre la France à l'ONU. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de contrôler notre territoire. Oui, le ciel. Le ciel. Zakaria, précédent auditeur qui appelait d'Abidjan, le rappelait, 70% du territoire malien est sous contrôle des groupes, des groupes armés. Oui, mais c'était avec Barkhane. C'était avec Barkhane. Mais je vous dis qu'en 9 mois, on ne peut pas réussir ce que Barkhane n'a pas réussi en 9 ans. En 9 mois. Donc donnons le temps au temps et que les partenaires jouent franc jeu parce que c'est ça le problème du Sahel. C'est que la France, si, il faut que le Mali, le Burkina et le Niger adoptent la même stratégie pour que ça puisse réussir. Mais pendant que nous, on se bat, d'autres, nos adversaires nous mettent les bâtons dans les roues. La France aide les terroristes, la France arme les terroristes. Donc on ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher à 100%. C'est assez, en tout cas, vous dites que la France aide les terroristes, ça a été encore une accusation formulée par le Premier ministre par intérim du Mali il y a 2 jours à la tribune des Nations Unies, au moment de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Beaucoup ont dit sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission, mais pourquoi... Certes, il tient de tels propos, mais pourquoi n'a-t-il pas profité de cette tribune internationale pour venir avec les preuves ? Non, mais on attend. Il y a quand même une démarche. La démarche, c'est qu'on a porté plainte. Et au moment venu, on va si l'ONU ne veut pas aboutir, ne veut pas donner suite à notre requête. On donnera les preuves. D'accord. Amadou, simplement, on ferme la parenthèse, parce qu'on ne parle pas de la situation du Mali, on parle du Burkina Faso ce matin, c'était intéressant malgré tout de comparer. Et je vous remercie infiniment de nous rester fidèles, de nous envoyer des messages sur le compte WhatsApp d'appel sur l'actualité. Soyez le bienvenu, Souleymane, bonjour. Bonjour, monsieur Van, comment vous allez? Bah écoutez, ravi. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Souleymane, ce matin? Vous vous réveillez avec un nouveau chef à la tête du pays, avec l'ancien président de la transition qui a démissionné et qui serait donc à Lomé, au Togo. Est-ce que vous êtes serein? En réalité, je suis plutôt dubitatif et un peu craintif. Mm-hmm. Puisque... cette situation là montre que notre armée, pour le moment, n'est pas encore réellement soudée. Et c'est ce qui est plus à craindre en réalité. Voilà. Parce que tout ce qui s'est passé, c'est au sein de l'armée. Et des personnes qui, en leur sein même, ne sont pas unies, qui sont amenées à se battre de cette manière-là, comment on peut attendre de ces personnes-là que sur le terrain, elles soient unies et amènes de défendre réellement notre territoire? C'est surtout ces questions-là que je me pose. Oui, vous posez des questions, et je les comprends, mais en même temps, visiblement, il y avait un désaccord au sein de cette armée sur la nécessité ou pas de changer de partenaire dans la lutte contre le terrorisme. En fait, je vois un peu le sentiment anti-français qui se développe, bon, attisé de plusieurs manières, mais je pense qu'en réalité, ce n'est pas tant le partenaire le problème, c'est comment les partenariats sont négociés le problème. Voilà. C'est-à-dire, la France n'a pas à défendre les intérêts burkinabés. C'est aux burkinabés de défendre leurs propres intérêts. Lorsqu'il y a partenariat, chacun vient et essaie de tirer la couverture de son côté. Donc, c'est aux autorités burkinabés, pendant ces échanges de partenariat-là, de poser réellement les réelles conditions qui seront à même de défendre au mieux les intérêts du peuple burkinabé. Ce n'est pas la France de le faire. Et vous avez peut-être entendu ce matin sur RFI le capitaine Traoré qui disait ne pas exclure de revoir les termes du partenariat avec la France. Il y a certainement, a-t-il dit, des choses à améliorer, certainement des choses à abandonner. Donc il faut remettre à plat ces partenariats. Oui, je pense également qu'il faut ce qu'il soit. Puisque actuellement, quand on regarde un peu le comportement de beaucoup de nos dirigeants, ils vont sur les différents territoires comme des sous-dirigeants en réalité. Pourtant, ce sont également des dirigeants de pays indépendants. Donc, ils n'ont pas à aller être des sous-fifs. Ils doivent clairement poser leurs conditions et échanger d'égal à égal. C'est justement là, au fait, en réalité, tout le nœud du problème à mon niveau. Ouais, changer des partenaires, aller vers la Russie. La Russie, quand ils viendront également négocier, ils défendront les intérêts russes et non les intérêts burkinabés. Donc, si on ne pose pas les vraies conditions,
on va changer de partenaire, certes, mais le problème demeurera. Ouais. Je vous lis le commentaire de Germain, il nous dit quand des capitaines et des colonels prennent goût au putsch et font régresser leur pays pendant que les autres avancent, sous prétexte que la France-Afrique doit faire place à la Russie-Afrique, c'est un leurre, nous dit Germain. Autant se mettre au travail et laisser la place aux technocrates du continent pour retourner au front et aux casernes, affirme cet auditeur sur WhatsApp. Merci infiniment d'avoir été avec nous, bonne journée, au standard. 33 9 693 693 70. Qui avons-nous? Yakou. Bonjour Yakou. Oui, bonjour Juan. Bienvenue Yakou. Est-ce que vous partagez l'analyse du précédent auditeur? Pourquoi pas ne revoir ou renforcer ou améliorer les partenaires? C'est une nécessité. D'abord, permettez-moi de rendre hommage au peuple intrépide de Burkina Faso. Il faut dire qu'aujourd'hui, le problème qui se passe dans nos pays n'est pas forcément une question de partenaires, mais une question de mobilisation citoyenne. Il faut que le peuple se mobilise et prenne conscience que c'est nous d'abord, nous devons être en ligne de mire avant de négocier quoi que ce soit avec les partenaires. Roch Marc-Issa Kabore avait un très bon programme pour la lutte contre le terrorisme. Malheureusement, il n'a pas été compris par les Burkinabés. Bon, en tout cas, Damiba était un déphasage net. Et clair avec la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, il y a des jeunes militaires qui sont là. Ils ont besoin de notre soutien indéfectible. Ils ont besoin d'une mobilisation citoyenne populaire pour les accompagner. Il faut renégocier les conditions de partenariat, certes, avec nos partenaires, renforcer et tenir compte des intérêts des Burkinabés. Tenir compte de ce qui peut nous arranger dans la lutte dans cette lutte. En quoi avez-vous l'impression aujourd'hui que le partenariat France-Burkina Faso ne va pas dans l'avantage, n'est pas à l'avantage des Burkinabés? Non, il faut dire que si on observe un peu depuis le début de cette crise à aujourd'hui, Barkhane est là, la France à côté du Burkina Faso, mais la lutte n'avance pas. Moi, j'étais au Mali il y a 2 semaines. J'ai constaté quand même qu'il y a un recul dans le domaine de l'insécurité. Donc, je pense que c'est pas une question de rompre les partenariats avec la France. Mais si on a d'autres amis qui peuvent nous accompagner, je pense qu'on peut leur tendre la main. Le Burkina Faso a besoin de tous ses partenaires aujourd'hui. Le Burkina a besoin de tous ses fils aujourd'hui parce que le pays-là, le Burkina, souffre. Il y a trop de sang qui a coulé dans ce pays. Aujourd'hui, nous on se rend compte que notre armée aussi est divisée. Je profiterai de votre micro pour demander à l'armée burkinabé de se mettre ensemble. C'est pas les règlements des comptes, c'est pas la déchirure qui va nous amener à résoudre nos problèmes internes. Vous avez craint ce week-end des affrontements au sein de l'armée dans les rues de Ouagadougou? Oui, honnêtement, j'ai eu la peur au ventre parce que connaissant l'effet de l'arme, et connaissant la tension qui existait entre les deux clans, j'ai eu peur. Mais heureusement, les dieux nous ont montré encore qu'il est du côté du Burkina Faso. Il a pu trouver des hommes crédibles qui ont su tenir une négociation et ça a abouti à l'apaisement. Voilà, à l'apaisement et à la démission du président Damiba qui est donc désormais à Lomé au Togo. On aura l'occasion évidemment de vous redonner la parole très vite sur la situation au Burkina Faso. En tout cas, merci à vous tous de ces nombreuses réactions que nous avons reçues. Merci de votre intérêt, de votre fidélité.